Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers économistes, merci d'avoir fait la vidéo. Donc, comme vous savez, le verre rouge le cadre référentiel. La filière sciences économie et gestion. Donc, l'économie générale, comme vous savez, déjà je trouve le cadre. Bon, on va trouver les échanges extérieurs. Les échanges extérieurs, on a fait en deux parties. La partie de l'eau, c'est l'ajustement linéaire, c'est-à-dire à des le libre-échange, le protectionnisme, les mesures tarifaires et non tarifaires. Je suis résumé sur la partie qui est relative à la mesure, l'effet de la balance de paiement. Maintenant, les indicateurs du commerce extérieur, les fermes, les calculs, le taux de pénétration, le taux de couverture, le taux d'ouverture, le solde commercial, etc. Maintenant, l'ajustement linéaire, à l'ouverture de l'économie à la machine, c'est-à-dire la partie des faits à l'OMC, toutes les caractéristiques des échanges extérieurs au Maroc, de la partie machine. Donc finalement, on doit faire des 12 opérations, avec le marché, le circuit économique, les emplois et les ressources, comme la partie qui est relative aux agrégats de la comptabilité nationale, comme le carré magique, comme l'inflation, comme le chômage. Bien sûr, la régulation par le marché, la partie des faits, le coût marginal, le coût moyen, ou l'équilibre le marché, ou l'équilibre des producteurs, CPP, ou le monopole. Donc, je pense que l'examen, ou bien sûr qu'il y a la synthèse, c'est hier. Donc, je pense à la SE par rapport à la partie des chapitres. Donc, bien sûr que qu'il y a beaucoup de préparation qui doit être faite, fin de la période. Je sais que c'est pas évident, ma corona et tout, mais c'est logique, il faut qu'on fasse des échanges extérieurs. Vu la quantité des heures les prêts de l'âme, donc c'est équitable. Ça a l'air ma qui se hajer il y a un peu de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'axe drama comme zen pour celui qu'on fait les échanges. Donc, بالنسبة لنا نعتبر بالنسبة للشابيتر اللي فيهم بلوس دو ترافاي سي لا بوليتيك مونيتير و بيدجيتير باسكو هما اللي تي نيسيسيت بوكو دو ريفليكسيون سورتو في لا بوليتيك مونيتير. دونك عندكم le parti là ce qu'on tracte aux c'est bon garde que je le cadre référentiel bien sûr mais le واحد il y a plus d'efforts par exemple la politique monétaire maintenant la partie qui est relative les formes de la monnaie les fonctions de la monnaie elle doit être vrai ou faux justifié et comme la mesure de la monnaie M1 M2 M3 et comme les contreparties de la masse monétaire donc on va dire ce qu'on a des noms les contreparties, les créances sur l'économie, les créances sur les non-résidents et les réserves internationales nettes, comme les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale ou les créances sur les trésors. Donc, en ce qui concerne les contreparties, les composantes de la masse monétaire, circulation fiduciaire, monnaie scripturale, les KNF M1, comme M2, c'est M1 plus placement à vue. C'est les comptes d'épargne. Et comme M3, c'est M2 plus autre actif monétaire. Et sur ce qu'on a des noms. Et dans les instruments de la politique monétaire, bien sûr, les instruments de la politique monétaire, ce qu'on a fait, faire objectif final, objectif intermédiaire, la nature, relance de la rigueur, ou les instruments à faire, comme les avances à 7 jours. Ou avance les reprises de liquidité, les avances à 24 heures, et comme taux de réserve monétaire obligatoire, le taux directeur, l'open market, les soldes de change. Donc, ce sont des instruments, les responses qu'on a fait. Il est ici, il y a déjà les éléments du cours. Donc, l'objectif intermédiaire qui est là, c'est le contrôle de la masse monétaire, le contrôle des taux d'intérêt et le contrôle des taux de change. Principalement, l'objectif final, c'est le fait. L'objectif final interne et externe. L'objectif final interne, c'est la partie qui est relative à la croissance, le plein emploi et la maîtrise de l'inflation. L'objectif final externe, c'est l'équilibre de la balance commerciale. Bon, l'équilibre des échanges extérieurs, on a comme la partie de faire les régimes de change, régime fixe, régime flottant, et comme les impacts de la dépréciation, de l'appréciation. Elle a les éléments suivants, et Nitigoulek montrait l'impact éventuel de la baisse de la valeur du dirham par rapport à l'euro sur
les échanges extérieurs, sur les importations, sur les exportations, sur le pouvoir d'achat, sur la dette extérieure. Donc, les impacts structurellement, ce qu'on a fait, non, d'abord, les mêmes problèmes de nos voisins, parce que ce sont des questions fréquentes. Ou l'appréciation, la dépréciation, c'est une partie qui est très importante. Lorsqu'on a vraiment fait mine, vraiment, vraiment, vraiment fait mine. Et tout d'abord, c'est comme nous, c'est le régime de change. Il y a comme un marché de change. Donc, on a les questions par rapport à qui vous l'avez. Wesh, apprécier, et par exemple, l'évolution du dirham par rapport au dollar, on dirait que c'est comme l'appréciation ou la dépréciation. Bien sûr, en fait, la partie, il y a une partie le marché monétaire. C'est comme ce qu'on fait maintenant, parce que qui connaît des documents par rapport à l'examen national, c'est voulu comme encore ce que je voulais le marché monétaire, il est en surliquidité ou la sous-liquidité. Il est quand même en surliquidité, c'est normal les instruments. Il est quand même en surliquidité, c'est normal les instruments. Parce que mais qui connaît le marché monétaire en surliquidité, bon, Banque Mondiale, parce que pour éponger un peu cette liquidité, pour stabiliser le niveau général des prix. Donc là, c'est le marché en surliquidité. Un mec qui compte sur liquidité, bien sûr qu'il joue les injections. Banque Marée, qui est trop de bêche de réguler la situation. C'est-à-dire des injections de liquidité, des avances. Et comme ça, elle va augmenter la liquidité pour relancer la croissance économique. Donc, c'est un peu ça les éléments de la politique monétaire. Concernant la politique budgétaire, c'est fait un suivi traitement. Donc, bien sûr, parce que ce qu'on aura fait, la loi de finances, une petite définition, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'il présente plutôt? Les recettes et les dépenses prévues, anticipées il y a l'année, le budget. Ce qu'on a fait, la conception théorique du budget. Le budget selon les libéraux, le budget selon selon Keynes. Bon, la petite distinction, c'est que selon les libéraux, le budget doit être équilibré, puisque l'État met de trèfle l'économie, donc il ne va pas y avoir un engagement des dollars sur les dépenses. Donc, automatiquement, si on a un équilibre budgétaire, parce que le déficit budgétaire n'est pas le bienvenu selon les libéraux, parce que le déficit, c'est là que le déficit réside dans les impôts et les entreprises, parce que je veux les recettes fiscales et comme ça, les entreprises réduisent la capacité d'investissement. C'est pour cela que les libéraux, là, dollars, parce qu'on a le déficit. Mais pour Keynes, c'est un moyen de régulation, c'est-à-dire que grâce au déficit budgétaire, je peux relancer l'activité économique. Aucun n'est déficit, il n'est que les dépenses et le dollar, aucun n'est que mais les recettes fiscales. Qu'est-ce que ça arrive du fonctionnement, ça arrive de l'investissement. Afin de générer deux effets positifs. La relance a deux effets positifs, mais tu aussi la croissance, comme l'effet accélérateur ou l'effet multiplicateur. Et tu sais déjà d'où tu as les vidéos rentrant sur Facebook ou sur YouTube. Bien sûr, la politique budgétaire, nous avons fait la mesure et les différents calculs. La politique monétaire, la conception théorique, c'est-à-dire, dit Fischer, M fois V est égal à P fois T, la théorie quantitative de la monnaie, c'est comme ça, ce qu'on a fait. Donc, l'examen de 2015, c'est si normal, la théorie quantitative de la monnaie, l'effet M3 ou M1 ou M2. Donc, vous allez comprendre la théorie quantitative de la monnaie. Elle a déjà été essayée sur YouTube. Donc, rejoins. N'est-ce pas la conception du budget? Qu'est-ce qu'on a fait? Le solde ordinaire, les formules d'hier ou les kénés. Recette ordinaire moins dépenses ordinaires. Ou la recette fiscale plus recette non fiscale moins dépenses de fonctionnement plus dépenses en intérêts et commissions. Donc, le solde ordinaire qui est bizarre. Ou là, dans la troisième formule. A dit, je dois amener le solde du budget général. Donc, je n'en mets les éléments, le budget de l'État. A dit, le premier solde, c'est le solde ordinaire. Deuxième solde, le solde du budget général. Le solde ordinaire, moins les dépenses d'investissement. A dit, le troisième solde, solde segment. Quatrième solde, solde CST, compte spécial de trésor. Cinquième solde, le solde du budget de l'État. Je m'ai fait, le solde du budget général, le solde segment. Zayt, le solde CST. Mais les qu'elle le solde du budget de l'État, c'est si elle le besoin brut de financement. Le solde du budget de l'État, naqis l'amortissement de la dette à moyen et à long terme. Ok, avec le dernier solde, bon, c'est besoin résiduel de financement. Les qui c'est le besoin brut de financement, plus les recettes d'emprunt à moyen et long terme. Les formules, ce que nous avons, sans exception. Pardon.
بالنسبة هادشي سي بالنسبة للمزور بيان سور لي ليكتور لي ليكتور ديال لا بوليتيك بيجيتير بحال لو سول اورديناير الا كان بوزيتيف كنسميوه لي بارول بوبليك كنقولو او ماروك سولون بروجي دو لوا دو فينونس 2020 باغ اكزومبل الا كان سول اورديناير بوزيتيف كنقولو لي بارول بوبليك سوري دو اكس مليار دو ديرهم و الا كنا تندويو على لو سول اورديناير كي نيجاتيف كتسمى اون ديز بارول بوبليك نقولو او ماروك سولون بروجي دو لوا دو فينونس سولون لوا دو فينونس دو 2020 La deuxième parole publique serait de X milliards de dirhams. Pardon. C'est très bien. Mais allez, neuf. Et comme le solde du budget général dit, mais qui connaît un déficitaire sur le monnaie, c'est un au Maroc, selon le projet de loi de finances 2020 par exemple, le solde du budget général serait déficitaire de X milliards de dirhams. وخير خرج لكم عدد نيجاتيف ما كنقولوش اي دو موان باسكو ديفيسيتير راك ترومبلاسي لو موان عندكم لو سولد دو بيدجي دو بيدجي دو ليتا الا قال لكم قراو او ماروك سولون بروجي دو لوا فينونس 2020 لو سولد دو بيدجي دو ليتا سوري ديفيسيتير دو اكس مليار دو ديرام اما لو بيزوان بروت لو بيزوان ريزيديو راك تقراو في السميه ديالو او ماروك سولون بروجي دو لوا فينونس لو بيزوان بروت دو فينونسمون serait de X milliards de dirhams et le besoin résiduel de financement serait de X milliards de dirhams. Donc dans la lecture, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est Aline. Le solde ordinaire qui est dans la troisième formule, le solde du budget général qui c'est oui, le solde ordinaire moins dépenses d'investissement, donc le solde ordinaire qui c'est oui, le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement qu'elle doit déjà le faire, tu l'as SBG plus dépenses d'investissement, c'est le solde ordinaire. Donc, à la formule, c'est moi, mais bizarre que tout le monde va faire. Fait l'examen, c'est le moment qu'on fait les dépenses de fonctionnement, les dépenses en intérêt et commission, les recettes fiscales ou les recettes non fiscales, que tu as pas le solde ordinaire qui sert qui est en train ou que tu remplaces avec ce que tu as X. Ça veut dire que tu as un modèle de l'âge de l'autre. Donc, la mesure, c'est les instruments de la politique budgétaire. Bien sûr, on a des instruments. En cas de la relance et en cas de rigueur. Bien sûr qu'il est jauge les instruments. Qu'il les instruments. Bon, qu'il est jauge les instruments par les recettes et les instruments par les dépenses. Il y a même ça s'amène les recettes de l'État avec ça s'amène en même temps les dépenses de l'État. Bien sûr, c'est la fois que l'État a en même temps. Tu as des instruments de la relance, tu as des instruments de la rigueur. الخلاصه تلقاو فيما الدوله تطلع لي ديبونس ديالها كندويو على لا رولونس يعني اللي طلعت لي ديبونس ديال لا ماس سالاريال ولا طلعت لي ديبونس ديال لي سوبفونسيون باش تعاون لي زونتربريز ولا طلعت لي ديبونس غلاتيف ولا كيس دو كومبونساسيون توت اوغمونطاسيون دي ديبونس كنسميوها لا رولونس يعني غادا في لا رولونس بور رولونسي لاكتيفيتي ايكونوميك وفيما الدوله كتحط ليتا عندها ان اوتر اوبجيكتيف هو ان تميتريزي لو ديفيسيت ديال لو بيدجي جينيرال ولا ديفيسيت بيدجيتير باش تقدر دير لا ميتريزي لو ديفيسيت بيدجيتير كتطلع علينا من لي غوسيت فيسكال كتقدر تزيد الضرائب على واحد القطاعات معينه ولا كدير شي حاجه بحال كذا يعني كتطلع لا بريسيون فيسكال وهذه سي بور لا ريغور ولا بور لوستيريتي كنسميها دونك هنا فهاد دو نيفو ملي تندوي على لو ديفيسيت بيدجيتير ما خصناش نخليوه تنحيدوه باش نبغيو نحيدوه هنا تمشيو نديرو لومبرا كنمشيو نتسلفو بيان سور داكشي علاش كنقولو في لا رولونس مزيان حنا تنطلعو لي ديبونس دو ليتا وكنقصو الضرائب باش نقدرو نطلعو من البيي بي ونهبطو من الشوماج ولكن هادشي عنده واحد لافي نيجاتيف سي كيكون عندنا لي لارجيسمون ديال ولا الكروزمون ديال الديفيسيت بيدجيتير لو ديفيسيت كيتزاد باش كنحيدوه هنا كيجيو لي زيفي نيجاتيف ديال لا رولونس كتجي لافي دبول دو نيج ولا لافي دي فيكس علاش لي في دبول دو ناج ولا في ديفيكسيون باسكو الدوله ملي كتاخد ان نوفو امبرون باش تحيد يعني لو ديفيسيت كتزاد ديت جديده على لا ديت اللي قديمه دونك لا ديت كتبقى غاده وكتزاد الى اون اكيمولاسيون ديال لا ديت وهنا كنسميو لي في دبول دو ناج اما لي في ديفيكسيون هي الدوله ملي تتبغي تمشي تسلف تدير لي ميسيون ديال لي بون دو تريزور لي بون دو تريزور كيشريوهم اغلبيه لي بون باسكو هما اللي عندهم لا ليكيديتي les banques ملي كيشريو هادوك لي بون دو تريزور كتنقص لا ليكيديتي بانكير اللي في المارشي مونيتير ملي كتنقص الفلوس عند البنكه اوتوماتيكمون لارجون ديفيان رار اي شير يعني الفلوس ما كتبقاش كثيره في عند لي بانك اوتوماتيكمون لو تو د انتيغري تيطلع حيت ملي كتقلع الفلوس باش تاخدها تيسلفوها لك بثمن طالع دونك الا بغينا نتسلفو بثمن طالع راه كنحرموا الشركات باش ياخذوا ان كريدي اي اوتوماتيكمون كيهبط لانفستيسمون بريفي وكنحرموا حتى لي ميناج ملي كياخذوا
un crédit de la consommation, parce que le taux d'intérêt débiteur n'est que s'il faut bien les banques, t'as l'air. Et à ce niveau-là, qui atteint l'effet d'éviction, c'est-à-dire que les entreprises et les ménages, mais que je produire un crédit à cause de quoi? À cause de l'État qui veut financer son déficit à travers l'émission d'éléments de trésor. Donc, on a quasiment l'effet d'éviction. Comme deux effets négatifs, les risques comme ce qu'on a fait, non? Ou deux effets positifs. Les effets positifs, comme la politique budgétaire, la relance, je n'ai les zones, la relance, mais l'État qui a les dépenses, je n'ai les zones, on va générer l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. Il y a une lettre qui a les dépenses d'investissement, qui a été le mot jamais de l'investissement. Le projet, qui joue avec le projet, c'est un marché. الشركات ملي كيجيو يشدوا داك البروجي راه كيخدموا ناس جداد كيعطيهم ان سالير ملي كنعطي له واحد السالير كيتزاد لو ريفوني ناسيونال ولا تزاد لو ريفوني ناسيونال المدخول الوطني تزاد راه الاستهلاك تيطلع يعني حتى لابار كي كونساكري للتي سي اف تطلع لا ديبونس لا كونسوماسيون فينال اي كوم سا اون فا رولونسي لاكتيفيتي ايكونوميك ولي في اكسيليراتور سي تادير كو الدوله ملي كتعاون اونكور اترافير دي ميزور ولا اترافير لي انسترومون ديال البيدجي ديالها Par exemple, ou plutôt les dépenses, la masse salariale, une partie de salaire qui est supplémentaire. Avec ici, accélérer le rythme de l'investissement. Les sociétés ça va accélérer le rythme d'investissement. Qu'est-ce qui a accéléré le rythme d'investissement? C'est la consommation. Tu veux que la consommation? C'est de chez les ménages à la consommation et par la suite la consommation de l'investissement. Là, automatiquement le PIB est là. Bien sûr, c'est théorique, mais c'est un signe l'effet accélérateur. Donc, ce sont deux effets positifs de la politique budgétaire de relance. Et tu de relancer et les dépenses de l'État là, où tu n'as pas les recettes, la pression fiscale, automatiquement. Il y a qu'un semestre à la relance, mais il y a des effets positifs ou il y a des effets négatifs. Donc, c'est un peu ça. Sinon, mais les instruments par les recettes, l'examen national, comme exonération fiscale, il y a des effets d'arrivée, comme il y a la hausse ou la baisse de l'IS ou de l'IR ou de TVA, ou les droits d'enregistrement, etc. Mais ce sont des impôts. لقيت القانون في الدوكيومون كتجيب لهم كيقول لك جبد ليا شنو هما الاسئله اللي تحطوا في وطني بهذه القضيه تيقول لك جبد ليا ان انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير بلوتو ان دو انسترومون دو لا بوليتيك بيدجيتير فهاد لي دو انسترومون دو لا بوليتيك بيدجيتير انت كتجبد عندك حر اي انسترومون بان لك غادي تجبدو الا قال لك جبد ليا ان انسترومون بار لي ريسيت اي ان انسترومون بار لي ديبونس خاصك تشوف شنو دارت الدوله في لي ديبونس ديالها يعني ديبونس د انفستيسمون ولا في لي ديبونس دو فونكسيونمون يعني لا ماس سالاريال ولا الكومبونساسيون تي اللي تنقول لكم وكتمشي تشوف لي انسترومون بار لي ريسيت يعني كتمشي تشوف شنو دارت بالضرائب واش كاين اعفاء ضريبي واش طلعت لياس ولا هبطات الدي في ا ولا شنو دارت ولا كيقول لك جبد ليا une action de la relance, une action de la rigueur. On dirait que c'est normal les actions de la relance, il y a une toute augmentation des dépenses et baisse de la pression fiscale. Ou là, l'action par la rigueur, l'austérité, c'est toute baisse des dépenses et augmentation des recettes fiscales. Donc, c'est un peu ça. Et si, en ce qui concerne la politique budgétaire. Donc, n'est-ce pas les échanges extérieurs, sur le scénario, bien sûr, ce qu'on tient à ce n'est la définition du libre-échange, la définition du protectionnisme. Ce qu'on a les auteurs, les Eidolina, le protectionnisme, les Eidolina, le libre-échange, David Ricardo, Adam Smith ou Frédéric List, le protectionnisme, les avantages et les inconvénients. D'abord, tu connais le juge, mais après, tu connais la balance de paiement, tu connais le solde commercial, tu connais le solde des services, tu connais le solde des revenus primaires, le solde des revenus secondaires, mais les gens qui ont attendu le solde de transactions courantes, tu connais la partie qui est relative au capital. Et la partie de la balance qui est relative aux opérations financières, il y a les investissements directs, les investissements de portefeuille, etc. Pardon. Du coup, on a les indicateurs du commerce extérieur, le solde commercial, le terme d'échange réel, le terme d'échange net, le taux d'ouverture, le taux de pénétration et le taux de couverture. Ou une balance comme l'ajustement linéaire. Donc, c'était 20 minutes, mais c'est comme un petit récap. وندير لكم من دوزيام فيديو باش تكونوا عارفين الحوايج الاولانيين اللي عندهم علاقه بالمارشي وبالانفلاسيون بالشوماج وبلا ريغولاسيون بار لو مارشي حتى هي تيت بارتي راه تتشكل يعني اون امبورطونس عندكم في البروغرام سورتو داكشي الاولاني راه ساهل واحد شويه بعد دير لو مارشي
la vérification de la loi de l'offre et la demande, ou les régimes, dire le marché, l'oligopole, ou le monopole, ou la concurrence pure et parfaite, ou concurrence monopolistique. L'inflation, le chômage, déjà une vidéo, tu as marre de d'autres vidéos, mais ça vous m'aide à faire, je n'en ai pas. Voici les kennels, ça, je vous souhaite bon courage, ou l'aide chère, comme tu l'as dit, vous l'écoutez. Anaf, la vérité, c'est normal, même si elle est chez de la Hamada, je suis a beaucoup d'engagement et tout. Donc, c'est pour cela que il y aura tel haoul partager comme le maximum, les temps de dire. Et j'ai d'autres vidéos le passé, les. Jamais tu peux te faire donc il est qu'à dire chez rectification on a une information supplémentaire trouve la page d'elle sur Facebook ou la trouve la vidéo à laquelle on a la partie fait qu'elle fait les partages les mcs les vidéos à laquelle tu fais les capsules zoinine radine fait comme bizarre bizarre voici les clients auxquels va comme amine sur l'art très bon courage.